Disons son maire, Sibis Transco, ont été endommagés lundi dans les parages du Palais du Peuple à Kinshasa, suite à la manifestation des opposants contre l'examen de la loi électorale au niveau de l'Assemblée nationale. Les gestionnaires de cette société étatique appellent à la conscience de la population kinoise au respect des biens communs et décrivent les dégâts matériels causés par les inciviques. Les reportages signés Mélisse Boisy et Chims Kapangala. Lancé depuis juin 2013, les bus Transco ont répondu significativement aux attentes de la population kinoise face aux problèmes de transport qui l'a pénalisé. Ces bus de l'État qui servent des biens communs méritent de la protection des uns et des autres pour son fonctionnement durable. Cependant, certains Kinois ne comprenant pas toujours le sens de respect des biens publics se donnent malheureusement le plaisir de détruire ces bus. Ces bus Transco détruits, tel est le bilan matériel des incidents causés le lundi par certains Kinois voulant revendiquer une cause politique qui se sont pris à ces engins qui favorisent la libre circulation des passagers à travers la ville. Le MD194, le minibus ici, a été caillassé. Il faisait la ligne 12. Capella, hôpital Ngaliema. Mais à mi-chemin, le chauffeur a été au niveau de l'Éthiopie, croisement Éthiopie-Gambela. Le conducteur a subi les problèmes que vous voyez. Il y a même des pierres partout. Nous ne savons pas. Il est bien dit, la masse ne réfléchit pas, mais toutes les fois qu'il y a une manifestation en ville, c'est le bus Transco qui paie les ponts cassés. Nous ne savons pourquoi. Surpris par la réaction des Kinois, le DG de Transco, Michel Kirumba, condamne ces actes inciviques et rassure les passagers des dispositions sécuritaires dans les jours à venir. La même population, n'est-ce pas, s'emploie caillasser les bus, à les détruire. Et le même jour même, la même population demande les bus pour pouvoir rentrer à la maison. Et donc, il n'est pas normal, il n'est pas logique, n'est-ce pas, de s'en prendre à ces biens qui, en définitive, nous servent. Mais les dispositions sont prises pour que pareilles circonstances soient maîtrisées avec les éléments des militaires qui sont mis à notre disposition. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire, dit-on. L'État congolais qui veut redynamiser tous les secteurs de transport en RDC rassure les voyageurs de Transco que tous ces actes seront punis sévèrement par la loi.